Aujourd'hui, du haut de ma planche, je vais rentrer un. Four good full pack, double clutch, pixel, diamond pack, ma twist, mountain bike, tighter. No workout. Four good full pack, roll up and pack, c'est no workout. Va venir donner un concert ici sur notre plage. Lola Crash, elle est trop claire. La star se produira en concert dans notre ville et en profitera pour remettre la coupe au vainqueur de la compétition de char à kite ce samedi 23. Un événement à ne pas manquer. Wow. Non, le char à kite, c'est pour les blaireaux, ça. Lola nous déclare, je suis trop impatiente d'embrasser le champion. Wow. Ça va pulper. Faut s'inscrire, les gars. Bah, dépêchez-vous alors, parce que le samedi 23, c'est demain. C'est tout bon, il reste plus qu'à louer des chars à kite. Les touristes, louer un char un week-end de compète. Vous n'en trouverez pas à moins de 100 km à la ronde. Je suis prioritaire. C'est moi le plus grand fan de Lola. C'est ça, c'était le magazine de ma sœur Frankie. Laisse-moi passer. Mais non, moi d'abord, j'ai besoin de faire du sport, allez, non, moi. Et toi, la petite, tu veux un autographe de Justin Richet, le futur vainqueur de la compète? Ah non, je regrette, j'ai tout vendu. Mais allez voir le nouveau shop là-bas, au bout de la plage. Frankie, aide-moi, please. Tu peux donner les tracts pendant que moi je tiens la bannière? Là, je peux pas, piste. Et j'ai une urgence. Mais Francky, hey, c'est pour une grande cause, hey, la paix dans le monde. Il n'y a pas de plus grande urgence. Wow, trop fort, le bol de ouf qu'on a eu. On s'est chopé les deux derniers. Wow. Non. Les propres, Francky, j'en passerai Lola pour toi. Tu rigoles, mon pote, tu vas rien embrasser à part le sable de la plage. Bande de chacals, faux frères, gobelins des îles. Écoute, mon petit, c'est peut-être pas ce que tu cherches, mais il m'en reste un à louer. Seulement, c'est un modèle junior. Ouais, je le prends. Ouh, yeah. Ma parole, Mike Frankie, qu'est-ce qu'il nous fait? Ici. La prochaine fois, lis l'étiquette avant de le passer à la machine à laver, Francky. Hé, hey, mon petit, tu t'es échappé du mini-club ou quoi? Il n'y avait plus que ça, bande de cloques. Laisse tomber, mon pote, abandonne, tu vas te ridiculiser. Je te dis ça, c'est pour toi, hein. Maintenant, tu fais comme tu veux. Ils ont raison, tu peux pas courir avec ça. Voyons, peut-être qu'en reculant le siège, en rallongeant le tout, tu vois, et en changeant les roues, ouais, ça devrait aller déjà mieux. Tu crois ça? Ça m'étonnerait. Regarde, la voile est trop petite, loulou. À cause d'elle, je me traîne comme une limace. Je passerai jamais la ligne de départ. Dites non à la guerre! Venez! Venez nous rejoindre pour lutter pour la paix dans le monde! Piste! Francky, qu'est-ce que tu fais là? Et ton urgence? Quoi? J'ai décidé de venir t'aider. Ton discours résonne toujours dans ma tête. La paix dans le monde, c'est un truc primordial. Et j'ai justement une idée pour booster ta campagne. Biotop, mon pote, c'est quoi ton idée? Hé, hey, les gars, le drapeau de la paix. On l'a, notre vol de compète. Hé, hey, n'oublie pas que tu symbolises ma campagne pour la paix et l'harmonie. Y'a pas de soucis, piste. Je vais la remporter, cette course. Crois-moi, et Lola et moi, on E-M-B-R-A-2-16-R-E-A, ta cause. Ce sera la meilleure pub pour toi. Bon, allez, c'est pas le tout les jeunes, faut que je m'échauffe. Et avec du Lola Crash dans les oreilles. Bravo, ouais, eh ben c'est pas gagné. Ouais,
t'as raison, continue de frotter. Il t'en faudra plus que ça pour arriver à me battre, bouffon. Je frotte pour qu'il soit bien brillant, pour que tu puisses encore me voir quand je t'aurai mis 1600 mètres dans la vue, et chauffard du dimanche. Regardez-moi cette bande de guignols. Je l'ai remporté 3 fois, cette course. Vous croyez me battre en faisant briller vos chars? Trop fort. Hé, hey, Matt, Francky se pointe avec son baby chat. Là, c'est le moment de vérité. Le test, ça va pulser grave. Fais attention, Francky. J'ai boosté les calculs pour la portance du kite. C'est capital pour avoir... Super méga gomme. Hein? Non. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, ben apparemment il manque les boulons d'Hiron. J'ai oublié de les remettre. Francky, franchement, t'es trop le meilleur. Alors, votre pote s'est mis à la plongée sous-marine? Vous aussi, vous devriez changer de discipline. La danse classique, ce serait plus dans vos corps. Très drôle. Est-ce que ça va, Francky? Tu n'es pas blessé? Non, j'y adorais voir partir mes roues comme des flèches. Trop sympa. C'est vrai qu'au niveau des fixations, je ne suis pas encore au point. Bah, t'en fais pas, Francky. J'ai bien analysé ta gamelle. Tu vois, ce qui se passe, c'est que le rapport de portance n'est pas bon. Je vais t'arranger ça. La compétition se divise en 3 épreuves, man. Le slalom, la vitesse et la course d'obstacles. Pour donner le départ, man, je vous demande d'accueillir l'immense et sublime Lola Crash. Les gars, c'est l'heure de la course et vous allez en baver. Mais il y a un super kiss de Lola Crash à la clé. Bonne chance. Toujours pas de signe de Francky à l'horizon. Je parie qu'il est rentré se cacher chez mémé. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Il arrivera juste à temps pour me voir embrasser la jolie Lola. Vaut mieux préparer vos mouchoirs, les touristes, parce que le vainqueur, ce sera moi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Déjà pas si la ligne d'arrivée, les gars. Ce chat, c'est de la bombe, je suis imbattable. Quoi, t'as un problème? T'avais pas assez de glu, tu veux peut-être un morceau de scotch? Lola, prête pour le départ, épreuve du slalom. Plomb pour le numéro 6, Justin Richet. Yo, le triple tenant du titre, man. Place la barre très haute. Dommage, man. Seulement 2 plombs pour le numéro 8. Wow. Au lieu de se la jouer, mon frère, ferait mieux de s'entraîner. Et c'est la sortie de piste, man. Pour le numéro 7, c'est la cata, après seulement 4 flots. Ah, ça commence bien. Ça va trop vite. Plomb pour le numéro 9, Francky Snow pour la seconde position. Bien joué, Francky. Mais ce serait encore mieux si tu pouvais éviter de casser mon kite. Ouais, Francky. 75,3 km à l'heure, man, pour Justin Richet. Incroyable, il pulvérise son propre record. Tu m'étonnes, 75,3 km à l'heure. J'ai à peine réussi à monter à 60. Et moi, je te dis pas 55,2. Tiens, regarde, c'est au tour de Francky. D'après mes calculs et en fonction de la parabole de l'hypoténuse des vents moyens, il faut que tu inclines ton kite à 47,587 degrés pour prendre le maximum de vitesse. Hein? On va faire plus simple. Tu vas tirer au max sur le manche, Francky. Ah, d'accord, c'est cool. À fond, Francky. Fais-le pour la paix dans le monde. Ah!
16,3 km à l'heure, Yéman. Un nouveau record battu. La victoire de la deuxième étape revient au numéro 9, Francky Snow. Bien joué, mon pote. Si tu gagnes la dernière épreuve, c'est toi le vainqueur. Mmh. Allez, Francky, tu es le champion de la paix et de l'harmonie. Oh, ciel, le dossard. C'est rien. Je l'ai collé à l'envers, mais ça devrait le faire. C'est moi qui devais gagner. Riders, Riders, le vainqueur de la course d'obstacles et par conséquent de la compétition est le numéro 6, Justin Richer. Bravo. Mais c'est pas lui gagnant, c'est Francky. C'est le 9, le premier, pas le 6. Hé, hey Lola, hey, c'est moi que tu dois embrasser. C'est pas notre cloporte de numéro 6. Oh non. Bien. Disons que c'est pas que je m'ennuie, mais vraiment, il faut que j'y aille. J'ai encore tout plein de tracts à distribuer. Tu es un homme mort, piste verte. Non, arrête, Francky. Souviens-toi, tu représentes la paix.